Joyeux Noël les copains! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Et pour nous, on commence ce matin de Noël par un gros câlin familial! Bon, et je crois que les enfants ont hâte de quelque chose, hein. C'est... Les cadeaux! Oui, bah alors on se retrouve en bas! C'est parti! On vous partage aujourd'hui notre journée de Noël, comment ça se passe chez les Nesta. Mais on va quand même pas faire toute cette vidéo en pyjama et pas coiffé et tout ça, non? Si, vous voulez? Non. Eh ben allez, transformation. Et voilà, on est prêt. Bon, en réalité, il s'est passé quelques temps quand même. On a été un peu long pour se préparer, mais ça y est. Oui, nous, on va nulle part. On joue à domicile, alors forcément, on a un peu plus de temps. On n'est pas pressé, du coup. On n'est pas pressé. Mm-hmm. Bon, si, on est quand même pressé parce que je crois que vous avez hâte d'ouvrir les cadeaux. Oui. On commence par ça. C'est parti. Oui, c'est parti. Allez, go. Oh, les beaux gosses. Alors, est-ce que le Père Noël a tout mangé? Oui, et les rennes aussi. Et les rennes? Oui, il reste quelques miettes qui mangent jamais. Ils mangent toujours seulement en fait. Y a-t-il des cadeaux? Ouh là là, il y en a plein. Oui, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y en a autant. Vous n'avez pas commandé tout ça? Bah non. C'est parti? Bah, allez, tac! Alors ça c'est quoi? Dis-le. Trop bien. C'est les dragons de Nalsara. Les dragons de Nalsara? Ils savent lire les abonnés, non? Bah oui, pour la plupart, hein, sauf les jeunes enfants. Ça moi j'ai eu une BD que je continue à lire, que j'adore. Et moi j'ai eu un livre de malade. Un livre de malade. Le donjon de Naheulbeuk. Vas-y, dis-le, c'est pas facile à dire. Le donjon de Naheulbeuk. Voilà. Ça c'est une nouvelle BD à découvrir. Ah ça c'est quoi le loup? C'est une boule perplexus. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est quelque chose où il y a des circuits en planche pour faire avancer la bille. C'est comme un casse-tête. Ouais. Avec un circuit. Et toi, chérie? J'ai eu une brosse pour le visage. T'avais commandé ça? Non. Oh, oh surprise! C'est un surplus? C'est ça. Un supplément? On a été de visage apparemment. Elle est bien, hein? Elle est plus belle que la tienne. Oui. Ouais, je suis d'accord. Je vais peut-être penser à te la piquer. Elle est trois fois plus douce. Ouais, c'est pour ça. Tu as dit que la mienne était trop agressive pour ton visage. Regarde, elle est top, hein? Tu vas mettre du maquillage dessus. Ouais. Mais elle est trop belle, merci. Qu'est-ce que t'as trouvé, Lolo? Encore le donjon de Nightbot, mais cette fois c'est 1. J'avais pas regardé. Bon, donc t'as 1 et 2 pour découvrir cette BD. Ça. Ouais. Space Boy. C'est un livre, mais en fait c'est quand même une BD en format livre. Et c'est super. Elle est super fan, ouais. Alors, autre chose? Il y a autre chose? Oui, il y a plein de cadeaux de Nesta. Des cadeaux de Nesta? Oui. Alors, ça veut dire qu'il faut les ouvrir tous ensemble, les cadeaux Nesta, non? Oui, là, c'est un cadeau Nesta. Faut les ouvrir tous ensemble. Et j'ai encore eu une BD La Rose d'Écarlate. Loca. Ok. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est une BD. On ouvre les Nesta? Allez, il y a les cadeaux Nesta, vous pouvez les ouvrir tous ensemble, allez-y. Faites-vous plaisir. Bah, papa et moi, t'inquiète, on est là. Je sais déjà ce que c'est. C'est quoi, Dixit? Ouais. Ouais. C'est trop bien ce jeu. Qu'est-ce que c'est Dixit, madame? Dixit, clin d'œil pour les voyageurs de Vague et Comté et puis la Bonanza en fait où on avait joué à ça. Et en fait c'est un jeu très très sympa où on se rend compte un petit peu de comment sont les gens, s'ils ont la lumière à tous les étages. Non, c'est nul comme explication. On vous expliquera mieux, on vous fera une démonstration, c'est plus simple. Bah, en fait, concrètement, c'est un jeu où il n'y a que des cartes qui sont illustrées. Et donc, c'est un jeu d'interprétation. Et chacun doit deviner un petit peu ce que l'autre a imaginé sur telle ou telle carte. Mais en même temps, il ne faut pas faire trop simple, parce que si tout le monde trouve la bonne carte, vous avez perdu. Donc, il faut trouver des trucs un petit peu tordus. Et souvent, je suis incomprise. ça tourne pas rond là-dedans. Encore un cadeau, j'espère. C'est quoi? Ok. Ah, je connais le nom, mais
Alors, pareil, un jeu de société encore. Pareil, on avait joué avec Mélanie et Raphaël. Pas sur cette version, parce que là, c'est qu'une version image, parce que les autres versions sont pour des enfants plus grands. Ah, alors que ça. Là, c'est à partir de, je ne sais plus... 10 ans. Ouais, c'est ça, à partir de 10 ans, donc on s'est dit que ça passerait. Et on avait trouvé ça sympa aussi, donc on s'est dit qu'on allait le faire découvrir aux enfants. Encore un jeu de société en famille. Et ça, c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien. Waouh. Ah, c'est... Ah, ça c'est le Dixie et ça c'est l'extension. Exactement. Bon, autant vous dire qu'on avait vraiment bien aimé ce jeu. Il avait raison. Donc du coup, on s'est dit on prend la version de base et deux extensions. Alors il y a différents illustrateurs pour ce jeu et du coup on a choisi des extensions. Peut-être un petit peu plus coloré, un petit peu plus enfantine, parce qu'il y a parfois des extensions qui sont un peu plus torturées, plus sombres, etc. Et voilà, donc on a choisi ces deux extensions. Ben voilà, ça y est, vous avez fait le tour les loulous. Vous étiez gâtés par le Père Noël, hein? Oui, il nous a même mis des tixis alors qu'on n'en avait même pas commandé. Oh ben ça c'est trop cool. Est-ce que vous avez faim? Oui, oui. Bon, parce que mine de rien, on a mis un petit peu de temps à se préparer, alors il est plus que l'heure de préparer l'apéro. C'est parti. Bon, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de Noël, et on fait ça, nous cinq, voilà, tout en famille, à la maison. Et seulement demain, on ira fêter ça avec la famille d'Alison, pas très loin d'ici, quelques rues. Allez, c'est parti pour les préparatifs, parce qu'il fait faim. Mais là, faut aller où? D'accord, je suis là. Coucou. Bon alors, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Ce midi, on va manger une pintade farcie au foie gras de canard et figues, je crois, un truc du genre, attends. Purée. Et au chutney de figues. Et tu fais tout ça toute seule? Bien sûr que non. Non, parce qu'on vous avoue qu'on aime bien manger, mais alors passer des heures en cuisine, nous, c'est pas trop notre truc, hein. Ouais, on aime... Non, pas trop. Quoique dans le camion, on cuisinait pas mal, mais... Oui, mais jamais des trucs très très longs, voilà. Non, jamais trop trop longs. Là, en fait, on s'est fait un repas à Picard. Voilà, vie Picard. Mais attention, hein, luxe, hein. Repas de fête, hein. Repas de fête. Donc, on a notre pintade farcie, on va avoir des haricots verts... classique, on n'a pas pris chez Picard parce qu'il y a un additif rouge dans les fagots chez Picard, donc ça ne convient pas. Bon, et sinon, on a décidé pour l'apéritif de se faire un petit mix parce que tout le monde n'aime pas les escargots, tout le monde n'aime pas ceci ou cela. Donc, on a plein de petites choses qu'on va grignoter et on va essayer de faire un repas de fête, mais pas trop trop lourd, pas trop copieux non plus, parce que mine de rien, on va manger chez mes parents demain et là... Ce sera copieux. Là, par contre, on sait qu'un repas dans le Nord, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence à midi et ça finit à 22h. Mais vraiment, c'est pas des conneries. En tout cas, dans ma famille. Donc, on se retrouve pour la dégustation. À tout à l'heure. Alors, pendant que la chef nous prépare l'apéro... Nathéo, tu me lances un chrono de 10 minutes, s'il te plaît. 10 minutes. Les enfants nous ont préparé une jolie table... Voilà, une jolie table pour Noël avec des décorations qu'on avait déjà en stock, hein, de notre ancienne maison. Donc on retrouve plein de trucs dans les cartons. Oui, c'est trop cool. C'est joli? Oui. Vous êtes content de vous? Oui. Joyeux Noël! On a des petits fours, des corolles, tout ça. On a un peu de foie gras.
La Théo, le temps est fini pour mes, les escargots. Environ 5 minutes, il reste 2 minutes. Des escargots dans le four. Et toi, chérie? Des moules farcies aussi, je crois. Oui, il reste 5 minutes. Non, non, les escargots, est-ce que le truc au milieu, c'est des escargots? Ouais. Bon, et on enchaîne avec les escargots. Mais ils aimaient ça quand ils étaient petits, mais ouais. Du coup, on n'a pas trouvé ça sur le continent américain et tout ça. Et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé, et là, ils sont dégoûtés, ils n'ont plus envie. Je crois qu'ils ont, ils ont des relents avant même de goûter. C'est comme une épreuve, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Si, si, je te jure, ça en a que t'aimais bien quand t'étais. D'accord, mais avant qu'on parte en voyage, j'aimais déjà plus. Ah, peut-être. C'est pas à cause du mais voyage. Peut-être qu'en rentrant de voyage, maintenant, tu aimes. Vraiment, bon, sinon vous vous imaginez que c'est une histoire de c'est une épreuve d'un jeu d'aventure. Allez vas-y. Et on gagne quoi si on y arrive? Et il faut tirer la langue quand vous avez tout avalé. Alors qui c'est le premier à goûter? Il faut le sortir déjà. Il y en a un petit. Bah oui ça. Oh c'est dégueu. C'est le morceau. Alors Saona. Mais Saona t'as mangé des limaces, des scorpions, des migales. Et tu peux pas manger des escargots aussi? Non ça c'est gluant. Vas-y, il est cuit. J'arrive pas. Il a même ses antennes, c'est dégoûtant. Mais non. Tu goûtes avec moi, Noah, s'il te plaît. Parce que j'ai... Allez, vous faites en même temps? Oui. Oh, bah, pas moi. C'est grave si je recrache, si c'est vraiment pas bon. Bah non, c'est tant pis. Allez-y. Allez, un, deux. Mais il est gros le mien. Trois. Ah, on en a un qui aime. Qu'est-ce que bah, t'as même pas goûté. On a le droit de pas aimer, mais il faut goûter. Salut Loulou. Allez, au final, c'est bon, je pense. Bon, Saona, c'est pas une réussite? Non, mais en fait, le goût il est bon, mais j'ai eu un truc bizarre au début, ça a craqué. Ah oui, aussi, au début aussi, moi j'ai eu un truc. Ça a craqué d'un coup. C'était dégueu. Alors, Mathéo, tu veux même pas goûter? C'est interdit de faire ça. Bon, vous comprenez pourquoi on fait une espèce de d'apéro dînatoire en quelque sorte, avec juste un tout petit peu de moule, un petit peu de d'escargot, un petit peu de tout. Il y a des coquilles Saint-Jacques qui vont arriver. On fait ça parce que c'est nous. Oui, mais comme ça, ça permet que chacun goûte un petit peu à tout, parce qu'on savait que ça n'allait pas passer pour tout le monde. Vous avez perdu l'habitude. Cette fois-ci, je suis obligée de l'avaler. Par contre, je prends le petit, ça c'est pas. Ah, celui-là, il a bien. Bon, deuxième essai. Elle est persévérante. Mais fais pas cette tête. Je savais même pas, il faisait une tête bizarre. Allez. 1. 2. Il y a eu un truc dur. Et 3. Allez les enfants, allez les enfants, allez les enfants. Ça a l'air de mieux passer la deuxième fois. Bravo! Ah, je crois que j'ai eu un goût bizarre au début parce que celui-là il n'était pas trop mauvais par rapport au début. On reconnaît, non, on reconnaît la famille qui regarde souvent les jeux télévisés comme ça où à la fin il faut tirer la langue pour dire c'est bon, j'ai plus rien. Bon, l'année prochaine on goûte des huîtres, les enfants. Merci, et on enchaîne avec. Cookies Saint-Jacques. Saint-Jacques. C'est parti? Ouais. Mmh, je veux goûter. Quelle couleur veux-tu? Ce qui reste. Noir, gris, il y en a plein. Il y en a une tonne. Ah, pendant que la pintade finit de cuire, eh ben on va essayer ce nouveau jeu. Bon, qu'on connaît déjà, mais... Oui, mais alors on ne connaissait pas avec ce modèle-ci, puisqu'on a pris le modèle Odyssée qui permet de jouer jusqu'à 12 joueurs. Et on ne jouait pas avec le plateau, etc. Parce que quand on est voyageur, forcément, on essaye de réduire. On a déjà mangé, mais non, mais là, c'est le plat, mon loulou. T'as pas habitué au gros repas. Allez, on interrompt le jeu et on va manger ça, le plat principal. Ça, c'est le plat principal. Des haricots verts. Vous m'avez pas dit qu'on mangeait aussi des haricots verts. Oh, des haricots verts. Oh, mes oreilles. Je sais, c'est autorisé maintenant, mais... De quoi? De dire des haricots. Ah. Quoi?
parce que nous, quand on était jeunes, on nous apprenait que le H de haricot, c'était un H aspiré et qui se prononce. On faisait pas de liaison avec des haricots verts, pas des haricots verts. Mais ça a changé et maintenant on a le droit. Alors on vous dirait. Des haricots verts. Bah en fait, tu peux dire les deux du coup. Oui, mais avant on disait des haricots verts. Avant on disait des haricots verts. Hop là. Tu t'occupes de la découpe, Doudou. Et vous savez ce qu'on va faire? Vous allez peut-être amener vos assiettes ici, mes amours. Alors, qu'est-ce qu'on mange, madame? Ben, notre pain de tarte farci avec des haricots verts, des châtaignes et des patates. Mais alors, Doudou, tu m'as fait une assiette énorme. Elle est plus grosse que toi. Mais mange ce que tu peux, ne t'inquiète pas. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon, on a beaucoup trop mangé, non? Oui, mais tu as vu les assiettes? Tu as fait des assiettes pour des ogres. Tu as cru qu'on pouvait manger une telle quantité? Non, moi, je m'étais fait une assiette raisonnable. Mais tu m'as fait une assiette deux fois comme la tienne. J'ai fait une assiette beaucoup trop grosse. Vous avez plus faim? Je vais juste les haricots de maman. On va faire des gamelles. Fais attention, tu vas brûler ton gilet, mon cœur. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire une sieste, maintenant. Tu sais bien que moi, ce que c'est? Moi, j'ai dit le truc avec les n'importe quoi. Ok, bon, on commence. On est qui, nous? Nous, on est des espions. Et on est des espions. On joue à Codenames. Voilà, et nous, on est les espions. On essaye de faire deviner nos cartes à notre équipe. On commence avec celle-là? Ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a choisi cette version avec des images, parce qu'on peut jouer avec des enfants plus jeunes que sur la version avec des mots. Et en fait, franchement, les images sont très très jolies et moi j'aime beaucoup. C'est très sympa, on s'amuse bien. Ok, bon, on a trouvé. Avant de jouer, on a fait une petite sieste comme premier. Hein, hein? On en avait besoin. C'était cool. Mais un truc. Bah, pas tout le monde. Hein. Mais non, les parents. Et celui-là. Bravo! Je sais même pas où il était ton autre panneau. Bravo! Bien joué. Ouais. À mon espion de me donner un indice, Doudou! À moi, bon bah je vous laisse, je réfléchis. Bon, c'est l'heure du dessert dîner. Vous pensiez qu'il y avait qu'un seul dessert? Oui. J'avais vu que celui-là, moi. Et non, en fait, il y a un gâteau et une bûche glacée. À la base, lui, il était pour le midi. On a tellement mangé, c'était tellement copieux qu'on a décidé de faire ça pour le repas du soir. Et oui! Ça suffira bien, hein. Oui. Alors comment... plateau télé, du coup. Ouais, ils ont beaucoup. Ouais. On se regarde quoi? Ils vont encore. Ils adorent. Ils adorent. Et ils remettent à chaque fois des gens. Et comment vous avez trouvé les jeux que nous avons commandés au Père Noël? Super, cool. Géniaux. Et vous préférez? Vous avez une préférence entre Dixit et Codename, ou vous aimez les deux? Non, mais peut-être. Ouais, vas-y. Tout petit peu pour Codename. Codename, pareil, tout petit peu. Allez-y, n'ayez pas peur. Parce que c'est un jeu d'équipe, en fait. En plus, il y a aussi. Bah, moi, Dixit, on n'a pas testé encore. Bah, si, tout à l'heure. Un petit peu, mais pas très longtemps. Moi, du coup, je sais pas. On va réessayer. Ouais, moi, j'aime bien les jeux. Moi, j'adore les espions. Mais je crois que c'est le meilleur. Je préfère Codename. Codename? Moi, j'aime bien Codename. Bah, à l'unanimité, ils adorent Codename. Moi j'adore Codename parce que c'est un jeu d'équipe et du coup j'adore parler. Vous voyez, il y a encore plein de gâteaux, vous pouvez en avoir plus, d'accord? Oui, des étoiles. En tout cas, ils sont drôlement beaux. Bon bah à l'attaque. À l'attaque. Sur ce, la journée de Noël est terminée. Les copains, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, parce que bah, c'est pas fini, hein. La semaine prochaine vous remettez ça. Tout le monde remet ça. Et puis il y en a peut-être qui, comme nous, vont seulement aller voir l'autre famille, ou la famille, etc. Ouais. Donc, Bon, on se met au régime le 1er janvier, hein. C'est ça, on a dit. Voilà, on vous fait des bisous, et puis on vous dit à très bientôt. Bye bye. Salut les copains. Bye. Salut les copains. Au revoir les copains. Be free.